La citation de la semaine sera de Anthony Robbins. J'imagine que tu dois connaître ce personnage. C'est un des coachs les plus célèbres de l'histoire de l'humanité et il s'est fait connaître à l'époque grâce à sa célèbre marche sur le feu. Mais c'est également un auteur extraordinaire. Il a vendu plein de livres. Je les ai quasiment tous lus, ils sont extraordinaires, je te les recommande fortement. Pur bonheur. Donc la citation que je m'apprête à partager avec toi, elle paraît simple. Mais elle paraît tellement simple que la plupart des gens ne l'appliquent pas dans leur quotidien. Et c'est ça qui est intéressant, selon moi. Donc la citation, la voici. Votre vie changera à partir du moment où vous prenez une nouvelle décision. Votre vie changera à partir du moment où vous prenez une nouvelle décision. Chose que la plupart des gens ne font pas. Alors c'est vrai, on est d'accord, on prend tous plein de décisions. Constamment on prend des décisions. À longueur de journée. Mardi, je vais au cinéma. Mercredi, je vais au restaurant avec ma famille. Vendredi, soirée entre amis. Dimanche, je reste à la maison, je suis fatigué. Et lundi, je repars bosser. On prend constamment des décisions. Mais on prend constamment les mêmes décisions. Quand est-ce que l'on prend cette décision? Cette nouvelle décision qui chamboule tout notre quotidien, qui change complètement notre vie. Parce que quand tu prends une nouvelle décision, tu vas expérimenter de nouvelles choses. Du coup, il y a de nouvelles leçons et sûrement de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à toi. Parce que quand tu prends une nouvelle décision, tu acceptes de faire quelque chose que tu ne sais pas. Tu acceptes d'être quelque part où tu te sens perdu. Tu acceptes d'être sur des terres inconnues, de sortir de ta zone de confort, là où tous tes rêves se trouvent. Quelle est cette décision qui pourrait changer toute ta vie? Quelle est cette nouvelle décision qui va tout chambouler? Personnellement, il y a maintenant plus de 4 ans de cela, j'avais pris une décision, une nouvelle décision à l'époque qui a tout changé. Parce qu'à l'époque, je voulais pas rester dans cet environnement dans lequel je me trouvais. Je voulais pas avoir les mêmes fréquentations. Je voulais pas avoir le même style de vie que j'avais. Donc j'avais pris la décision d'acheter un billet simple, un aller simple pour le Vietnam. Et je suis parti. Et au final, je me suis baladé à droite et à gauche pendant 2 ans parce que les gens m'ont ouvert leurs portes. Les gens m'ont offert des opportunités. Les gens m'ont soutenu. Les gens m'ont aidé. J'en suis extrêmement reconnaissant. Et si toute ma vie a changé à l'heure actuelle, c'est grâce à une seule décision. Une nouvelle décision que j'ai prise à l'époque qui a fait en sorte que je plonge littéralement dans l'inconnu. Et tout a changé. Mais pas uniquement mon monde extérieur qui a changé. Mon monde intérieur a changé également. Ma perception des choses, toutes ces habitudes que j'avais. Pourquoi? Parce que quand tu prends une nouvelle décision, que tu acceptes de te sentir perdu parce que tu es entouré d'inconnus. Le monde dans lequel tu te trouves n'est plus le même. Les personnes ne sont plus les mêmes. Tu te sens perdu. Et quand tu te sens perdu, tu te questionnes. Tu questionnes tous ces schémas de pensée. Tu questionnes toutes ces habitudes que tu as depuis des années et qui te sont néfastes. Et à ce moment-là, j'ai commencé à changer. Non pas mon monde extérieur, mais mon monde intérieur. Et grâce à cette nouvelle décision que j'avais prise plusieurs années au préalable, d'autres nouvelles décisions sont venues par la suite. Parce que quand tu prends goût à aller vers l'inconnu, tu ne t'arrêtes plus. Parce que tu réalises que toutes les opportunités ne se trouvent pas dans ta zone de confort. Elles se trouvent à l'extérieur de ta zone de confort. Donc quand tu prends l'habitude de prendre une nouvelle décision, d'aller expérimenter quelque chose de nouveau, une nouvelle décision de penser différemment, une nouvelle décision d'agir différemment. C'est tout ton monde qui change. Donc grâce à ce voyage, grâce à cette décision qui a changé tout mon environnement, j'ai également appris davantage sur la méditation. J'ai fait différentes retraites de méditation où j'ai plongé au plus profond de mon être. Parce que à l'époque, je me sentais pas bien. J'étais malheureux. Je souffrais constamment. Je savais pas pourquoi. Mais j'ai pris la décision de ne pas rester dans cet état. C'est pour ça que j'ai expérimenté des retraites de méditation. Par la suite, je réalisais que il y avait quelque chose dans mon physique qui n'allait pas. Donc j'ai pris la décision d'essayer
d'avoir une alimentation végétarienne. Et par la suite, j'ai réalisé que cela me correspondait mieux. Je ne savais pas où je m'aventurais, mais j'ai juste essayé. J'ai pris cette décision plusieurs années auparavant d'essayer quelque chose de nouveau constamment. Et à chaque fois, tout change. Parfois, j'ai essayé quelque chose, cela ne me correspondait pas, donc j'ai dit bye bye. Et quand cela me correspondait, j'ai gardé cette habitude. J'ai créé moi-même une habitude. Pas une habitude que l'on m'a dit d'adapter dans mon quotidien ou que l'on m'a programmé. Non, j'ai consciemment choisi d'avoir cette habitude alimentaire, cette habitude de penser, cette habitude de fonctionner et de voir le monde. Et cela m'a tellement correspondu que par la suite, je me suis lancé un nouveau challenge. J'ai pris une nouvelle décision à nouveau. Pourquoi pas manger que des plantes à longueur de journée? Devenir vegan. Et à ce moment-là, à nouveau, mon monde a changé parce que j'étais en accord avec qui j'étais. J'étais en accord avec moi-même, avec mes valeurs les plus profondes, la paix, l'amour et la compassion. Et j'ai réalisé que même en étant végétarien, en faisant ce que je pensais être juste, cela ne correspondait pas à mes valeurs les plus profondes. Et grâce à nouveau à une seule décision, celle-ci a enchaîné de nouvelles décisions constamment pour faire en sorte que je sois à 100% en accord avec moi-même. Donc cette citation, elle peut paraître simple, mais elle est bien plus compliquée qu'elle n'en paraît. Votre vie changera à partir du moment où vous prenez une nouvelle décision. Donc ma question aujourd'hui, quelle est cette décision qui te fait peur? Quelle est cette décision qui fasse en sorte que tu te sens perdu, qu'il y a une sorte de mal-être, que tu te sens pas à l'aise, mais que tu saches au fond de toi qu'il y a plein d'opportunités derrière cette décision. Quelle est cette décision? Trouve cette décision, passe à l'action, sors de ta zone de confort, va vers l'inconnu, apprécie l'inconnu et fais en sorte que cette zone d'inconfort devienne une zone de confort. Comme ça, par la suite, tu prendras goût à aller vers l'inconnu. Tu prendras goût à ouvrir les bras et à accepter que toutes les opportunités viennent à toi. Donc voilà ce que cette citation m'apprend, ou plutôt ce que cette citation fait ressortir en moi. Toutes ces expériences passées, ça me fait repenser à ma vie en fait. À ce que tout a changé, mes fréquentations, mes finances, ma manière de penser, ma manière d'agir, ma manière de me comporter avec moi-même, avec les autres. Tout a changé avec une décision. Une décision. Une nouvelle décision que je n'avais jamais prise précédemment. Donc dès aujourd'hui, prends cette nouvelle décision qui changera ton quotidien. Et cela n'est pas obligé d'être la même que la mienne. Choisis quelle est cette nouvelle décision qui changera ta vie. À jamais. En attendant, prends soin de toi et on se voit bientôt.